5 remèdes maison contre le mal de gorge. Au début des douleurs, le mal de gorge est sans doute pris pour une simple affection passagère. Cependant, au fur et à mesure qu'elle s'installe, la simplicité apparente de cette affection se transforme en cauchemar perpétuel. Dès lors, on porte peu d'attention à ce type de souci du quotidien. Cependant, au moment le moins opportun, cet apparent petit souci se transforme en tourment infini. En effet, les maux de gorge accaparent l'attention en dépit de leur simplicité et de leur apparente bénignité. Bien que les causes de cette affection soient simples et limpides à expliquer, il restera que nous souffrons sang et eau quand la douleur s'empare de notre gorge. Le mal de gorge est un symptôme des plus désagréables à vivre. Le tableau symptomatologique se caractérise par de la douleur, des démangeaisons et une inflammation. Cependant, d'autres symptômes peuvent se manifester. Ceux-ci dépendent de la cause de l'affection ou de l'état d'avancement du problème. Parmi ces symptômes, nous pouvons trouver de la fièvre, des maux de tête, une inflammation des amygdales, des vomissements, les causes du mal de gorge, les déclencheurs du mal de gorge sont divers et assez variés. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre en compte votre historique de santé et votre condition physique afin d'en déterminer l'origine. Les causes courantes du mal de gorge sont les bactéries, la pharyngite, la consommation de tabac, l'amygdalite, la pollution de l'air, inspirer par la bouche, les poils d'animaux domestiques, les remèdes maison pour apaiser le mal de gorge. Tenant compte de cet inconfort immense causé par le mal de gorge, nous vous proposons une série de remèdes maison et naturels pour y pallier. 1,2 vinaigre de cidre. Les bactéries sont une des principales causes du mal de gorge. Par conséquent, notre objectif sera de lutter contre ce type de micro-organismes logés dans la zone. Une bonne solution est une préparation au vinaigre de cidre. De plus, une préparation à base de ce vinaigre aux propriétés thérapeutiques est facile à réaliser. Ingrédients. Un verre d'eau tiède, 200 ml. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 10 ml. Une cuillère à soupe de sel, 10 g. Préparation. Ajoutez le vinaigre de cidre dans le verre d'eau tiède et mélangez bien. Effectuez au moins 5 gargarismes de 1 minute chacun. 2,2 l'ail. On ne loue jamais assez les bienfaits de l'ail. Cet aliment possède d'innombrables avantages en plus du bénéfice de ses propriétés. Pourquoi ? Il se distingue particulièrement en tant que remède maison et naturel pour traiter l'immense inconfort du mal de gorge.
Nous devons les bénéfices de cet aliment à la lysine, un composé en charge de la lutte contre les germes et responsable de l'élimination des agents bactériens. Ingrédients. 1 gousse d'ail. Utilisation. Ce remède maison ne nécessite pas de préparation particulière. Il vous suffit d'une gousse d'ail que vous couperez en deux. Placez chaque moitié de la gousse coupée en deux d'un coin et l'autre de votre bouche, dans la partie intérieure des joues. Laissez agir. 3, la cannelle. La cannelle utilisée seule et à sec peut causer une obstruction de la gorge et mener à l'étouffement. Toutefois, si nous l'utilisons de manière appropriée, elle favorise le traitement de la douleur de la zone qui nous occupe. Ingrédients. 1 cuillère à soupe de poivre noir, 10 g. 1 cuillère à soupe de cannelle moulue, 10 g. Verre d'eau tiède, 200 ml. Préparation. Ajoutez le poivre et la cannelle dans le verre d'eau et mélangez jusqu'à obtenir une préparation homogène. Ensuite, pratiquez un gargarisme d'environ 1 minute. Remarque, si vous n'êtes pas en possession de cannelle moulue, vous pouvez la remplacer par de l'huile de cannelle. 4, l'infusion de camomille. Les propriétés principales de l'infusion de camomille contribuent largement au traitement d'une gorge douloureuse. Cette infusion se distingue par sa capacité à relaxer la tension musculaire et, par conséquent, à apaiser les douleurs. D'autre part, l'infusion de camomille est également reconnue pour ses propriétés antibactériennes naturelles. Ingrédients. 1 tasse d'eau bouillante, 250 ml. Cuillère à soupe de camomille, 10 g. Cuillère à soupe de miel, 25 g. 2 ou 3 gouttes de jus de citron. Préparation. Ajoutez la camomille dans la tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 10 minutes. Ensuite, ajoutez au mélange la cuillère à soupe de miel et les quelques gouttes de jus de citron. Mélangez et buvez l'infusion. 5, le miel d'abeille. Le miel d'abeille est un autre produit connu pour ses propriétés antibactériennes. Une cuillère de miel pur peut déjà être appréciée pour son effet très agréable dans la gorge, même en l'absence de douleur. Le miel favorise la propreté des parois pharyngales et des voies respiratoires. Pour cette raison, le miel est également utilisé pour traiter aussi bien la grippe que la toux. Ingrédients. 1 verre d'eau, 200 ml. 2 cuillères à soupe de miel, 50 g. Préparation. Chauffez l'eau, ajoutez les 2 cuillères à soupe de miel et mélangez bien. Il est recommandé de consommer cette boisson la plus chaude possible, 3 fois par jour.